Yo les gars, c'est nous, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Bob l'éponge Simulator. Pour vous dire la vérité, j'ai vu Polo a joué à ce jeu, donc je me suis dit, moi aussi, je vais y jouer. Et surtout, le jeu m'avait bien plu, parce que des fois, Polo, il jouait à d'autres jeux. Par exemple, je me rappelle une fois, il avait joué à un jeu où il fallait envoyer des balles, etc. Et ça m'avait pas trop plu. Mais là, par contre, comme vous le savez, je suis fan de Pet Simulator. Et bah, j'ai voulu tester Bob l'éponge Simulator. Surtout que c'est comme Pet Simulator, mais juste en mode Bob l'éponge. Donc c'est parti les gars. Alors choisissez votre premier copain. Je vais vous dire la vérité. Je préfère Bob l'éponge. Du coup c'est parti. On a bien le jeu en anglais, c'est bon. Alors, avant de commencer à faire quoi que ce soit, vous le savez peut-être, mais moi je suis un grand fan. Alors attendez. Je vais baisser un peu tout ça. Moi je suis un grand fan les gars. De regarder les jeux avant de jouer. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu. Alors en haut on a le chat, les statistiques du joueur. Ok, ça c'est très bien. On a les paramètres. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a de beau? Envoyer tous les copains, breakable d'attaque, priorité d'attaque, mode performance. On va pas le mettre maintenant. On a la musique, mouvement réduit pour les lags et tout. Ok, pas trop de paramètres, ça va. Dans le magasin on a quoi? On a des œufs. Oh, très stylé, what the fuck. C'est quoi ça? C'est un Titanic? Ah mais du coup j'ai plus de Robux. J'ai tout dépensé dans la vidéo Bobby Playtime, allez la voir. Là on a quoi? Des bundles. Plein de bundles. Bon, je vais pas trop regarder les gars parce que sinon je vais craquer et je vais tout utiliser. Ok, des fois deux, tout ça. Des rubis. Ah mais du coup ok. Il y a plein d'onglets mais c'est pour la même chose. Ici on a atteindre la rue Conche 3. Ok, donc c'est pas pour maintenant. Ici on a les objets, les articles. Ici les téléportations. Conche, Jelly, Downtown Bikini, Kelp Forest et Goolagoon. Donc il y a pas mal de zones pour l'instant. Très sympa. Ici on a les montures. J'en ai pas encore. Monture, ok. Bientôt disponible, c'est les TP. What? Event Tortue Ninja. Mais wesh, c'est incroyable. Sponsorisé par Playmate. C'est incroyable ça. What the fuck? En bas on a plus 1 de pouvoir dès qu'on a un ami dans le serveur. Ah bah j'ai un ami dans le serveur qui vient de rejoindre. 15% de doublons gagnés au moins avec un ami, ok. Et pareil, si on a deux amis, 5%. Ok, pourquoi pas. Ah, il faut que j'invite des gens, ça veut dire. Bon, flemme. Appuyez sur les objets pour gagner des doublons. Ici on a nos copains. Ici on a les morphs. Et ici, social, c'est quoi? Ah, je peux... Ah, c'est pour mettre des emojis et tout. C'est trop drôle. Je veux dire la vérité, je pense que le jeu est mieux fait que Pet Simulator. En vrai de vrai. Du coup ici on a tous les pets, donc tous les œufs, etc. Viens Pet Simulator pour trade s'il te plaît. Non, je suis en vidéo. Il est fou lui. Nouvelle palourde de luxe. Ok. Ici on a quoi? Codex de palourde. Avec du coup j'ai l'impression tous les pets, etc. Il y a des récompenses à chaque fois. Ok. Stylé, stylé. Du coup il y a un abonné qui est venu. Stylé. Ici on a quoi? Morph de luxe. Ok. Si ça coûte cher. Ici on a des packs. Là on a quoi? Faut faire des quêtes, ok. Il y a des événements, stylé. Attends, il y a quoi là-bas? Fais voir. Attention. Jellyfish, je sais pas quoi. Ici on a deux trucs payants. Là, on a le leaderboard avec plein de gens. Trop stylé. Et là, on a UGC, je sais pas quoi. C'est pour acheter des trucs, j'ai l'impression. Mais tout est payant, je pense. Ok. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai débloqué les Tortues Ninja. Je sais pas comment je les ai eu, les gars. Je sais pas du tout. Du coup, je vais les mettre, hein. J'ai des Tortues Ninja. Je sais pas comment je les ai eu, mec. Obtenir des copains. Ah, c'est quand j'ai appuyé là, peut-être, vous pensez. C'est trop stylé en vrai. Ok, bah c'est parti, let's go. Donc là, faut si j'appuie, ils se mettent dessus, c'est ça? Est-ce que je peux taper en même temps, moi? Oh, c'est trop bien. Je crois que ce jeu, je vais l'adorer. C'est trop rigolo. Ok, bon. D'ailleurs, les gars, c'est juste une vidéo découverte. Après, moi, je jouerai sûrement de mon côté sur le jeu. Là, c'est juste une vidéo découverte.
On verra ce que j'en pense plus tard, etc. Oh là là, incroyable. Franchement, j'aime bien. Ok, donc là, on a assez pour aller dans la zone d'après. Mais d'abord, il y a un tutoriel et ils me disent d'ouvrir un clam. Donc, on va ouvrir un clam. Ça coûte 200. Je vais en ouvrir un pour l'instant. On va voir ce qu'on a. Et on a l'escargot goop. Ok. Qui est à 38%. Donc, on a eu le pire en gros. Et donc là, le tuto nous dit débloquer la porte pour continuer. Donc, on va y aller directement. Go, go, go. Attends, ça casse un peu, je récupère un peu d'argent. Et donc là, on fait déverrouiller. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parlez à SpongeBob et aidez-le. Ok. Détruire deux coffres, cinq piles et deux palourdes. Ok. Putain, la map est vraiment cool. C'est vraiment stylé. Ah, j'ai eu un truc. Je crois que j'ai eu une pizza. Attends, là, il y a un truc aussi. Ok, je récupère la pizza. Là, j'ai eu quoi? Vitesse de joueur. Allez, allez, on détruit, on détruit, on détruit. Go, 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 go. Les gars, je comprends rien, mais je pense que c'est normal, je viens de commencer le jeu. Je comprendrai plus tard, ça va être drôle. Allez, allez, allez. On le détruit, on le détruit, on le détruit. Là, je vous jure, je suis en train de spammer. Parce qu'il y a marqué Tortue Ninja, donc je pense que c'est un truc bien ça. Allez, go, 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 go. Mais du coup, je suis arrivé au meilleur moment, moi. Parce que sur la vidéo de Polo, il n'y avait pas les Tortues Ninja. Go, 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 go. D'ailleurs, si j'enlève la liste d'amis, on voit quoi? On voit la mission qui est là-bas, à gauche. Allez, 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 allez. Encore, encore, on y est presque, on y est presque. En vrai, je pense que ce jeu, il est incroyable comme Pet Simulator. Et surtout, si vous êtes fan de Bob l'éponge, c'est encore mieux. Parce que moi, j'aime bien Bob l'éponge, les gars. Mais je suis pas ultra fan, tu vois. J'aime bien, mais c'est pas mon truc préféré. Ok, donc là, j'ai détruit 300 perceuses. Ok, stylé. Il faut en détruire beaucoup pour avoir un cadeau. Ok, très stylé, très stylé. Là, on a quoi? On a un truc pour avoir de la force en plus, j'ai l'impression. Ok, là-bas, il y a un mur invisible. Là, on a un petit parcours avec ici un truc. On peut marcher dans l'eau en plus, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des trucs secrets là-bas ou il y a un mur invisible? Il y a un mur invisible, ok. Si je vais par là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'avais vu un truc ici. Mais je crois que lui, je l'avais déjà vu tout à l'heure. Head to Jellyfish to unlock Magmorph. Ok, donc là il faut qu'on détruise un coffre en bois encore. On va détruire le plus petit. Ok, Prince End. Il va me dire, je vais dire oui. Je sais pas ce qu'il veut me dire, mais je vais lui répondre à mon abonné. Là on a des petites poubelles, des trucs et tout. Ok, stylé. Du coup, c'est quoi mes autres quêtes? Là j'ai gagné un coffre, ok. Et mes autres quêtes, c'est 5 piles de doublons et 2 palourdes florales de base. Ok, c'est parti. Et après, on va ouvrir 2 palourdes de base. Allez, go, go, go. Hop, on continue d'ouvrir, on continue, on continue. D'ailleurs, on gagne des gemmes plus des trucs. Donc, c'est très bien. Allez, encore un. Je crois qu'on a fait la mission là. Ok, parfait. Et donc il me manque deux palourdes florales. Ok, c'est parti pour les palourdes florales. Go, go, go. Je pense que c'est les premières, non? Les palourdes florales. Je déverrouille la palourde. Ah oui, palourde à fleurs. Il faut que j'en ouvre deux. On a eu encore le même. Ça, c'est très triste, les gars. Et j'en ouvre un autre. Nice! Oh, légendaire Calima. Frère. Oh. Bah, vous vous rappelez, c'est les trois qu'on pouvait choisir au début du jeu. Moi j'ai choisi Bob l'éponge, mais en fait les trois ils sont aussi rares les uns que les autres. Et bah là on a eu Patrick. Non pardon. Carlos. Ok bah incroyable, incroyable. D'ailleurs j'ai envie de voir leur force. Ouais 19, ok. Du coup on a débloqué ça, donc réclamer. Et là je fais commencer la tâche finale. Détruire une licence de Bob l'éponge. Ok, c'est parti pour détruire la licence. Ça a l'air plutôt galère mais ça va. Salut les gars. Je vais leur dire ma chaîne parce que je crois qu'ils savent pas. C'est moi Aaron sur YouTube. Bah bienvenue à vous les gars. On est en pleine vidéo, Bob l'éponge, pour découvrir le jeu qui a l'air incroyable. D'ailleurs là il y a un truc, pizza. Hop, je le récupère. Incroyable. Allez, 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 on le casse, on le casse, on le casse, on le casse. Encore, encore.
N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à la chaîne, les gars, j'en profite, je vous le dis maintenant. Imaginez Pet Simulator, ça serait comme ce jeu, ce serait incroyable. D'ailleurs, on a eu trois légendaires et un goober. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais il a l'air plus grand que les autres, vous voyez. C'est incroyable, Tortue Ninja, moi j'adore. Tu penses que je vais gagner le concours ou pas? Aucune idée. C'est aléatoire. Bon, lui, je vais lui dire qu'il sait pas écrire. Moi, je veux trop. Je sais pas, ça va être moi. Ok, la carte, elle est bientôt cassée, attention. Allez, encore, 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 encore. Et. Attention. Et let's go. Donc ça, c'était la mission finale, en gros. Et donc maintenant, on peut récupérer Bob l'éponge. Ok, je l'ai eu. Donc maintenant, je vais sur Morph et je fais équiper. Oh, je suis devenu Bob l'éponge. C'est incroyable. Ok les gars, j'adore ce jeu, je sais pas pourquoi, il est vraiment trop trop bien. Du coup, je vais craquer un petit peu. Bon, on va pas abuser honnêtement. Du coup, on a dans le shop des œufs pour avoir des personnages exclusifs, comme un petit Pet Simulator. Ici, on a des morphs, je crois, donc c'est pour se transformer en personnage, si je dis pas de bêtises. Ici, du coup, on a un pack de démarrage, un deuxième pack de démarrage, plein de passes, des secous pour avoir des rubis en plus, des doublons en plus de puissance. Et des rubis ici. Moi les gars, ce que je vais prendre, c'est le pack de démarrage. Et je pense que c'est tout en vrai. Ouais, je pense que je vais juste prendre ça pour avoir la monture de bateau. C'est très stylé. Laissez-moi juste regarder un truc. Parce que moi j'ai déjà la voiture Tortue Ninja. Mais du coup, ah oui, le bateau mobile il vaut 249. Et du coup, si je l'achète dans le shop, je l'ai gratos. Ok, et ben on va faire ça les gars. C'est parti. Let's go. Il me restera 10 000 Robux pour Pet Simulator. Et puis là, comme ça me fait plaisir. C'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on veut du coup? On veut soit. Donc là, on a des pets à 85% qui sont pas rares. On a à 95%. Ici, on a 105%. 115%. Et lui, 150%. On dirait un méga Titanic. Donc, c'est parti, les gars. On veut juste pas les deux poissons moches. Hop. Du coup, let's go. Alors, où est-ce que j'ouvre mon œuf, moi? Je sais même pas. Donc ça c'était un autre défi. Il est où mon œuf s'il vous plaît? Je l'ai acheté. Attends, je l'ai acheté ou j'ai pas acheté? Ah, je l'ai peut-être pas acheté. Si, je l'ai acheté. Je l'ai acheté ou j'ai pas acheté? Je sais plus. Je l'ai acheté? Je sais plus les gars. Il est où? Attends, je suis fou ou je l'ai pas acheté? Bon, on va dire que je l'ai pas acheté. Il me restera 10 000. Ok. Cette fois j'achète vraiment. Ok, là je l'ai acheté, ça a disparu. Bon, il y a un autre pack derrière. Wesh, les rats. Ils nous mettent combien de packs? C'est une dinguerie. Pack vétéran, pack souffleur de bulles. Enfin, laisse tomber. Ok, du coup, on a débloqué quoi? On a débloqué deux palourdes? Pourquoi j'en ai deux? Me dites pas que je l'ai acheté deux fois sans faire exprès quand même. Attends. Ça se trouve, je l'ai acheté deux fois. Du coup, les montures, elles sont là. Non, je pense pas que je l'ai acheté deux fois en vrai. Il a l'air d'aller super vite ce bateau. Je regarderai le rec, si je l'ai acheté deux fois, j'ai un peu le seum. Du coup, c'est parti pour ouvrir la palourde. Let's go. Non, c'est la plus nulle. Oh non, je suis dégoûté. Tina. Regardez. C'est la plus nulle. Et après, il y a Harold. Oh non, je suis deg. Ok. C'est pas grave. Déjà, on va l'équiper. 15 000, ouais, pourquoi pas. Et donc, c'est parti pour la deuxième. Elle est où la deuxième? Je sais pas. Attendez. C'est où le deuxième? C'est là. Ok, c'est parti. Bon, ouais, vas-y, ça pue la merde. Bon, au moins j'en ai eu deux différents, mais bon, je suis un peu dégoûté quand même. Bon bah les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. Ciao!